Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo réaction à l'épisode numéro 13 de Super Dragon Ball Heroes. Nous allons continuer la fameuse bataille entre Hertz et Goku du coup qui va continuer. Je crois que c'est dans l'univers 7 si je dis pas de bêtises. La dernière fois, on avait eu le droit au Golden Metal Cooler qui était quand même assez badass mine de rien. Aujourd'hui, on retourne dans notre univers 7, Goku qui va se fight, ça fait toujours zizir. On va voir ce que ça donne, j'ai pas encore vu l'épisode, je vous sors la vidéo avec un petit peu de retard. De ce que j'ai compris, l'épisode apparemment est excellent au niveau des animations. Et bien c'est ce que nous allons voir dans quelques secondes. Avant de démarrer quand même, je tiens à préciser juste que si l'épisode s'affiche mais que l'opacité est baissée, c'est tout à fait normal, c'est pour éviter justement toute question de droit d'auteur ou autre, parce que normalement faire ce genre de vidéo c'est pas forcément autorisé, donc du coup on est obligé de contourner de cette manière là. Si bien évidemment vous avez kiffé l'épisode, bah, vous me le dites dans l'espace commentaire, vous donnez une note de 0 à 10, je compte sur vous. Et puis surtout lâcher un maximum de pouces bleus pour ce genre de vidéo qui fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, on est parti. Animé promotionnel bien sûr de Dragon Ball Heroes au Japon du coup, mais on a l'animé aussi partout dans le monde. Du coup, animé promotionnel, comme je l'ai dit, pour le jeu sur borne d'arcade au Japon et aussi pour le jeu que vous connaissez en Europe qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Voilà, sur ce, on y va. On est parti. Petit coupage montage et on se retrouve dans quelques secondes. À de suite. Et on est parti messieurs dames, Super Hertz rejoint la confrontation, une bataille dévastatrice sans merci. Oula, Super Hertz, comment ça Super Hertz, il se transforme ou quoi celui-là d'habitude? Enfin, pour le moment on l'a pas trop vu en action, on n'a pas trop vu ce dont il est capable aussi. C'est vrai qu'il a juste à chaque fois contemplé les batailles, mais là ouais effectivement, c'est vrai qu'il s'est été transformé avec la... C'est vrai qu'il a la chevelure un peu de Gohan en fait, si tu remarques, hein. Il a un peu la chevelure de Gohan, et par contre Goku... Voilà, déjà tu sens l'intention avec la musique, y a pas de parole, ça démarre mode vénère direct. Goku face à Hertz, acte 1, scène 2. T'es mal Goku, comment il est vénère. Oh, la musique elle est stylée, la musique elle passe super bien. Allez voyons, oh d'entrée du jeu, ok, pas de blabla, direct ça se fonce dessus, ça se tape, nice ça. C'est ce qu'on veut aussi, de la baston, de toute façon c'est pour ça que Dragon Ball Heroes c'est génial. C'est tu perds pas de temps, c'est des épisodes de 8-9 minutes et ça se tape direct. Allez, Goku en position défensive, mais il fait exprès. Hein. Donc ça le pouvoir de... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Zamasu en même temps aussi. Hein. C'est vrai que Zamasu il est revenu aussi en mode vénère. Oula, qu'est-ce qui se passe avec le cristal? Un peu chelou ça, non? Bon, Goku il défend, mais il aime bien juger la puissance de ses adversaires à chaque fois. Voilà, là il se vénère. Let's go mon petit Goku. T'es mal la musique qui va avec. Hein. SSJ Blue? Transformation SSJ Blue ou SSJ 3? On va voir. Ah, il a pas le temps, Goku. Voyons. Ah, SSJ Blue. Oh là là, elle est stylée l'animation. Stylée de ouf. Stylée l'animation de la transformation. Archi vénère. Ok, allez, c'est parti. Bon, il fait le mec surpris en face, mais bon, il a déjà vu, je crois, SSJ Blue, non? Pouf. Oh là là, le regard. Le regard. C'est important, le regard. Et ça, c'est le Goku qu'on aime. Ça, c'est le Goku avec ce regard. Tu sens que. Il est pas là pour rigoler quoi. Allez, voyons voir. Allez, la position et tout. Allez, c'est parti, coup de coude. Avec la musique, elle passe super bien en fond. Hein. L'OST, elle est vraiment géniale. Ils sont forts quand même dans ce qu'ils font. Hein. C'est un animé promotionnel, faut pas l'oublier. Hein. Promotionnel. Hein. Mais bon, il y a du taf derrière quand même. Téma, téma. TP, 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 TP. Comme à l'ancienne. Oh. Oh, genre il peut lire dans son cœur comme ça. Il va lui péter le bras ou quoi? Non. Oui. Oh, il a pris cher là Goku quand même. Ouais, ça va. Oh, il a arrêté les Kikoa. Il va les retourner contre lui, non? Oh. Oh, énorme. Énorme son pouvoir là. C'est quand même pas mal. Oh, il était trop bien dessiné là le Goku par contre. Hein. Il était archi bien dessiné. Hein. Ah c'est ouf, voilà c'est que de la baston pure et dure, hein. Ça fait zizir de ouf. Wouah. Est-ce que ça suffit, hein? Clairement pas assez. Ouais bah non, il en faut plus pour Goku évidemment. Hein. Il en faut plus. Hein. Oui. Wouah, énorme. Genre il se rattrape comme ça sur le... Putain c'est archi stylé ça. Tu ne te donnes toujours pas fond. Bah, bien sûr il a capté qu'il n'était pas fond. Je pourrais en dire de même. Eh oui. Ah, voilà, là ça lui fait plaisir à Goku là. Oh là là. Oh là là, stylé. Oh.
Est-ce qu'il attaque avec des espèces de cul? Putain, oh non. Là, ils ont taffé de ouf sur l'épisode. Là, ils ont taffé de ouf. Ils ont vraiment taffé de ouf. Que ce soit dans les animations, dans les musiques. Franchement, il y a du taf, là. Fait mal les cheveux et tout. Hein. Les regards, les cheveux, les poses. Il y a tout qui est génial, là. Boum. Ah ouais. Oh, le fight, il promet, hein. Je sais pas combien de temps il va durer, mais en vrai, il promet de ouf, hein. Oh, il se fait soulever, Hirt. Wouh! Le Kamehameha. Oh. Le bruit et tout. Oh là là, incroyable. Incroyable. Ah, vraiment. Oh, il s'est fait soulever par le Kamehameha de Goku, là. Il s'est fait soulever comme ça? Me dis pas qu'il va mourir sur ça, quand même. Non, c'est trop tôt. Waouh. Ah, c'est fort. C'est violent. Ah, Goku qui a perdu un peu d'énergie, malheureusement. Et en plus, je pense pas que ça aura suffi à vaincre Super Hirtz, du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Piccolo et C-17 qui se tapaient contre Oren et sa sœur, là. Ça, j'avais oublié qu'ils avaient refusionné, les deux, là. Enfin, qu'ils s'étaient retransformés, du coup, ensemble. Exact. Bien vu. Oh, la barrière de C-17. Oh, la barrière. Aïe, 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 la barrière. Ouais, qui va être brisée, hein, malheureusement. Et donc là, maintenant, il n'y a plus de quoi se protéger. Oula, qu'est-ce qu'il a? Oula. Oh, Piccolo Mac en Kozapo. Bien vu. Cette technique a besoin d'être chargée. Bien vu, Piccolo. Nice. Elle est magnifique. Mac en Kozapo, de toute façon, on sait, c'est puissant de ouf. On va y voir. Mais il est pas mort. Mais il a un bon coup. Après, s'il se régène, ça sert à rien. Allez, voilà. Ah, il se régène, du coup, c'est dégueulasse, quoi. Ça sert pas à grand-chose, là, pour le coup, le Mac en Kozapo. Quoi? T'as pété un plomb, mon ami. Tu es le meilleur. Oula, qu'est-ce qu'il fait, là? Il se vénère, quand même. Ça, on sait toujours pas à quoi ça correspond, aussi, là. Ok, Trunks Zamasu. Allons voir. Ah, il a un projet diabolique, Zamasu, c'est sûr et certain. Hein. C'est évident. Un retour à Goku, ouais. Un retour à Goku, du coup, et Hirtz. Oh, il est pas blessé, ok. Enfin, il a quelques marques, mais en vrai, voilà, il a le sourire aux lèvres encore. Oula, qu'est-ce qu'il a prévu de faire? Oh! Ah, mais il utilise encore son pouvoir de la pesanteur, là. Ish! Mange-toi ça, Goku. Il lui a fait manger le sol, sale. Ah, Jarry s'en va comme ça. Ah non, ok. Gravity Fist, voyons. Gravity Fisto! C'est bon, il s'en sort. Bien vu, Goku. Ah, quoique. Ah, à chaque fois, c'est bon, il arrive à s'enlever la gravité comme ça, mais c'est un peu chaud, quoi. Ouf, ouais, là, il accélère. Hein. Ouais, allez, c'est parti. C'est au tour de Hirtz, du coup, de montrer sa puissance. Trame devant ma puissance. Ah, carrément! Ah, lui aussi, il a une belle aura maléfique. Hein. Ouais, bon, c'est pas Goku qui va trembler, clairement. Hein. Plus l'ennemi est fort, plus il est content. Et ça se termine ici. Ok, ça se termine ici. Dommage. Bon, ça promet du lourd pour la suite, quoi. Ah, ben voilà, regardez, attends, on voit la preview, non? Ah non, même pas. A dévoiler sa vraie force par... Ah, en gros, voilà, c'est pour débloquer... Ok, pour Super Dragon Ball Heroes, du coup, au Japon, sur borne d'arcade. Du coup, t'as le Super Hirtz qui est... Super Hirtz, plutôt, qui est débloquable. Oh, le Goku SJ4, il est magnifique. Oh, il est magnifique, de ouf. Et ouais, mais nous, il nous ramène pas des nouvelles cartes sur le jeu qu'on a en Europe. Franchement, ils font chier parce que s'ils mettaient à jour régulièrement avec toutes les cartes qui sortent du Japon, bah putain, le jeu, on y jouera encore, quoi. Il serait trop bien, quoi. C'est vraiment chiant, ça. Ils mettent à jour les bornes d'arcade, mais par contre, le jeu en Europe, lui, pas du tout, quoi. Donc, soit ils vont mettre 40 ans, ça va sortir dans un an ou deux, et c'est relou, quoi. C'est archi relou. C'est dommage, ça. Bref. Goku SSJ contre Hirtz, puis ensuite SSJ Blue, du coup on continue la baston, des animations de malade, musique de malade, voilà, des modélisations des personnages de malade et tout, enfin voilà, c'est vraiment, l'épisode était vraiment très très bon, pour le coup un de mes préférés depuis le début de Super Dragon Ball Heroes, clairement, je dis bien un de mes préférés parce qu'il y en a eu deux ou trois qui étaient vraiment pas mal aussi,
notamment un avec le Goku Ultra Instinct qui était vraiment archi lourd, mais celui-là, franchement, je le mets dans mon top 3 clairement en termes de qualité. Clairement, il était archi lourd. J'espère que le prochain, le 14 du coup, sera tout aussi violent. En tout cas, vous n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo, vous mettez une note de 0 à 10 à cet épisode. Expliquez-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez un petit peu moins aimé, qu'est-ce que vous attendez pour les prochains épisodes. En tout cas, on va terminer nous cette vidéo par ici. Pensez à mettre un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Pensez aux réseaux sociaux si vous avez envie de parler de Super Dragon Ball Heroes. Et bien n'hésitez pas, Twitter, Snapchat, Instagram, vous avez tous les liens. Vous avez aussi le lien de ma page YouTube, s'il y en a qui peuvent visionner quelques publicités. Voilà, ça vous prend 30 secondes, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne, voilà, de gagner quelques centimes à chaque fois. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description. Pensez à vous abonner, à activer les notifications si c'est pas déjà fait. Nous on termine ici. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à très vite pour la suite des épisodes de Super Dragon Ball Heroes. Ciao tout le monde.